Après la soprano neuchâteloise Laurence Guyot, c'est au tour du soliste alto de chanter ses paroles. Vous, païens, êtes appelés à vivre par ce Sauveur Jésus. C'est pourquoi il se laisse livrer à vous. La voix d'alto dans les passions est associée à la mort. C'est souvent la voix qui chante la plainte, c'est souvent la voix qui chante le moment du déchirement. Elle est mise en parallèle avec la viole de gambe qui annonce aussi la mort. Donc c'est une voix grave, c'est une voix qui n'annonce pas forcément la lumière et l'espoir.